Fédération nationale des plombiers professionnels et hydrauliciens du Bénin organise 2 jours de séminaire dans la cité de Koboro sur le thème élaboration et adoption du plan national exercice 2024-2025 soutenu par le projet H Formation avec le thème responsabilité et la gestion des ressources. Les acteurs de l'eau sont venus dans les 12 départements du Bénin pour assister à ce séminaire qui a eu lieu du jeudi 8 août 2024 au vendredi 9 août 2024 dans la salle polyvalente des artisans de Parako. Après l'hymne national des plombiers professionnels et hydrauliciens du Bénin, le président fédéral Richard Agboahi a donné son mot de bienvenue et souligné l'objectif de ce séminaire. L'honneur de choix ce matin de prendre la parole au nom de tous les plombiers du Bénin pour remercier les autorités de nous avoir compris et d'avoir accepté cette invitation qui consacre l'ouverture de notre séminaire sur le plan annuel d'évaluation de tout ce que nous aurons après l'exercice 2024-2025. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes ici ce matin, si je ne me trompe pas, dans la cité de Koboro, pour parler encore une fois du mieux-être de la corporation, de rester ensemble pour décider du mieux-être de la corporation, de rester ensemble pour tracer une ligne, la ligne droite que tous les acteurs, en l'occurrence les plombiers professionnels et hydrauliciens du Bénin vont suivre en cette année 2024-2025. Puisque la date dit, une seule rondelle ne fait pas le printemps. Nous allons converger les idées ensemble afin de faire un pas chemin. Nous sommes ici en dehors du plan d'exercice 2024-2025 pour vous parler un peu en profondeur afin de vous élucider sur ce que nous voulons faire. Tel que le courrier déroulé l'a déjà dit, nous aurons à parler, à travailler sur la conception du document de la plomberie. Nous aurons également à parler de l'organisation pratique de la journée internationale de la plomberie. Nous allons aussi parler du recensement national des plombiers du Bénin en acte, et sans oublier aussi tous ces issues. Pour vous dire que nos remerciements vont de façon particulière au projet H Formation qui nous soutient dans toutes nos activités, sans oublier les autres, le ministère de l'enseignement secondaire, de la formation professionnelle et technique, aussi la CMA qui nous appuie à tout moment. Le projet H, par son représentant qui est ici parmi nous, va nous entretenir sur le thème la responsabilité et la gestion des ressources. Et quand on parle des ressources, vous savez bien qu'il y a humaine et financière. Donc, cette communication va nous aider à savoir nous approfondir également, histoire de faire la part des choses dans la gestion. Que les responsables du secteur de l'artisanat étaient tous présents, le président Sénab du Parako Atchadé François, les deux présidents collectifs Cissé Oumaïla, président collectif Sénap, Sobabé Nazer, président Sénab, ainsi le directeur départemental des enseignements secondaires techniques de la formation professionnelle Antoine Maoutin Djossou et son staff étaient au rendez-vous. Taméon Antoine, représentant du directeur de la formation du projet H Formation, était également présent. Les responsables du secteur de l'artisanat du Bénin invitent les plombiers professionnels et hydrauliciens du Bénin à l'Union. Au nom
président de la commune de Parakou, nous disons merci aux plombiers qui ont accepté de choisir la ville de Parakou pour abriter les événements de ce jour. Joie et fierté est pour nous, artisans de la commune de Parakou, d'être en face de vous. Et je voulais vous demander d'avoir beaucoup de courage et de dynamisme dans ce que vous avez commencé, parce que sans le courage et le dynamisme, ça ne peut pas aller. Donc je vous demande d'être courageux et d'être dynamique. Et de savoir aussi que le courage, ça ne régit pas tous les jours. Je vais vous demander de ne jamais abandonner ce que vous avez commencé. Ne jamais abandonner ce que vous avez commencé. Parce que c'est une grande chose pour notre pays, pour notre secteur et pour les plombiers que vous êtes. Et si vous arrivez à réussir cela, vous allez être des vrais leaders, comme des Nelson Mandela de la CISALA. Le directeur départemental des enseignants, des enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle a prodigué quelques conseils. Je voudrais souhaiter que vous compreniez que depuis un moment, le gouvernement de notre pays, le gouvernement du président Patrice Talon, a accordé une attention particulière aux artisans, à tous les artisans de notre pays. Et a beaucoup d'ambition pour les artisans. Depuis l'avènement du gouvernement d'habitude, je venais de le dire, de beaucoup de réformes sont entreprises. Et parmi ces réformes-là, il y a une priorité qui est accordée au secteur de l'artisanat. Je l'ai dit aussi que le bien-être, l'épanouissement de tous les artisans est pointé du doigt et le gouvernement met un point d'honneur sur cela. Le ministre de Kouaroua, Yves Chabi, ne cesse de le marteler, de faire en sorte, il nous demande de faire en sorte que votre secteur puisse s'épanouir, puisse prospérer. Et parce que le développement du Bénin passe par là. Allez-vous gérer l'économie aussi, de par vos activités, de ce que vous faites. Je voudrais vous dire, si le ministre a donné cette instruction, c'est quelque part grâce à vous. Grâce à votre sérieux, c'est à cause de votre sérieux, c'est que votre corporation est une corporation sur laquelle il faut compter désormais si on veut développer le Bénin. Je sais que de ces assises-là, beaucoup de décisions vont sortir et pour renforcer votre corporation et pour améliorer le quotidien de tous nos concitoyens. Ouais, c'est ça qu'il s'agit. Je souhaite que vous soyez unis. Restez unis dans ce que vous décidez, dans ce que vous faites. Et que dans vos lieux de travail, que le travail que vous entreprenez soit bien fait. C'est votre manière de contribuer au développement de notre pays. Et que les gens regrettent de vous avoir à confier un chantier à cause de votre savoir-faire. C'est ça. Et qui vous donne de la majesté, une renommée. Je souhaite que vous vous entendiez, que l'entente soit parfaite en votre sein. Les petits problèmes ne manquent pas, mais trouvez des occasions pour les régler.
que vos problèmes de plombier et d'hydraulicien n'aillent pas au dehors. Le projet H-Formation, c'est un projet de renforcement des capacités techniques. Donc, le volet gestion des ressources humaines, nous recouvre ça. C'est la formation continue. C'est surtout ça qui a intéressé la direction. Et nous avons voulu vous accompagner. Et je resterai autant que ce peut pour que nous travaillons ensemble et que nous continuions les travaux ou bien le partenariat H-Formation, Association nationale des plombiers professionnels du Bénin, même après cette Assemblée générale. Et nous allons toujours travailler avec vous. La direction H-Formation est de cœur avec vous. D'ouverture et quelques conseils du délégué départemental du Borogo, Parakou, Atchade François, président Sénab de Borgo-Parakou. Monsieur le directeur du centre de formation technique et professionnelle Don Bosco de Parakou, monsieur le président des collectifs et groupements de la commune de Parakou, chers artisans, bonjour. C'est un véritable honneur pour nous d'accueillir dans la cité de Kogourou ce jour, jeudi 8 août 2024, le séminaire sur l'élaboration, l'adoption du plan d'action national de votre association et le renforcement des capacités de vos membres sur la responsabilité et la gestion des ressources humaines. Chers collègues, la Chambre des métiers de l'artisanat du Bénin, dans son souci permanent de professionnaliser et de promouvoir l'artisanat dans notre pays, ne ménagera aucun effet pour accompagner cette initiative aussi lorsqu'elle vient d'une grande organisation professionnelle d'artisans qu'est la FNPPHP. Permettez-moi de vous dire que le professionnalisme d'une organisation passe toujours par le professionnalisme de ses membres. Au nom du président de la Chambre des métiers de l'artisanat du Bénin, El Hadji Timoru Soufiano, et à mon nom propre, je déclare ouvert ces travaux de séminaire de 2 jours. Que Dieu vous assiste. Après le lancement du séminaire, les participants ont bénéficié d'une formation sur le thème responsabilité et la gestion des ressources avec le conseiller H-Formation Parakou Djougou Taméyon Antoine. Donc, disons que le plombier est responsable de la réalisation d'un diagnostic précis avec toute intervention, assurant ainsi que le problème soit bien compris et que la solution soit adaptée. C'est-à-dire quoi? Il n'y a plus d'eau ici parce que il y a un tuyau qui est cassé. Il n'y a plus d'eau ici parce que par où les tuyaux d'alimentation ont pris, il y a un problème là, il y a une malformation là. Le client qui vous a appelé ne s'y connaît pas, c'est pourquoi il vous a appelé. Donc vous devez être sûr que le vrai problème perte de liquidité, en particulier pour les petits entrepreneurs que nous sommes. D'accord? Nous sommes des petits entrepreneurs. Il y en a ici maintenant, ils n'ont pas caillé de recettes. Ça là, vous pouvez le faire. Mais si vous avez un cahier là, souvent vous dites les impôts. Impôts ne peuvent pas venir prendre votre cahier pour en faire usage pour vous donner le taux d'impôt. Non. C'est un bilan qui permet aux inspecteurs des impôts de déterminer l'impôt correspondant. Les brouillons qu'on utilise dans les ateliers, là, c'est bon pour nous-mêmes. Si vous allez dans les microfinances aussi, ça les aide, ils vont voir. Ah, hier, là, il y a 500 000 qui est venu chez lui. Et demain, il attend tant. Après demain, il a ceci. Donc on va les plus. Et on sait que vous,
Si on fait un prêt, ça veut dire qu'on peut être sûr que ça va revenir. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, c'est la traçabilité. Aucun agent des impôts ne peut venir chez vous et prendre votre cœur. C'est peut-être l'état financier. Et c'est vous qui allez produire ça et allez le remettre. Je ne sais pas si vous comprenez. Nous-mêmes aussi, je profite pour vous parler de la formation. Quand nous on dit chiffre d'affaires annuel moins 1, ce n'est pas qu'on veut prendre ces informations pour apporter aux impôts. C'est pour qu'après les formations, plus sûr que vous, vous avez été formé il y a 2 ans. On a constaté que quand vous êtes revenu de la formation, votre prestation a changé, vous gagnez un peu plus qu'avant. La gestion des ressources humaines. Sur ce plan, je vous avais déjà parlé de la formation continue et c'est ça que nous faisons à H-Formation. Maintenant, développement des compétences. En plus de la formation continue, l'artisan plombier doit employer le développement des compétences au sein de son équipe. Cela peut impliquer la formation des apprentis, la supervision des nouveaux employés. C'est-à-dire que vous prenez des gens, vous avez un grand chantier, vous appelez d'autres maîtres artisans ou vos apprentis qui sont déjà diplômés. Vous devez être en mesure de les superviser pour dire ça, là, on fait comme ça, ça ne va pas donner ceci. C'est ça aussi le développement des compétences. La délégation, si l'artisan emploie d'autres personnes, il doit savoir déléguer certaines tâches tout en gardant un contrôle de qualité sur le travail final. Ça là, je sais que ça nous manque beaucoup. J'espère que vous êtes conscient de ça. On prend plusieurs chantiers, mais on ne prend pas la peine de bien sûr les éléments qu'on a mis sur les chantiers. Et après, quand le propriétaire parle, on dit que non, on n'était pas là, c'est les apprentis qui ont fait. La journée du jeudi a pris fin par l'élaboration et adoption du plan national d'exercice 2024-2025 à Tchadé. Au micro de Africa Soleil. Bonjour pour la semaine Bénin. Nous sommes là ce matin pour le lancement des 2 jours d'activité des plombiers et électro-hydrauliciens, c'est ça, du Bénin. Et l'activité, c'est déjà de voir comment la fixation des prix, des normes et le renforcement des capacités des plombiers. Et la CEMA nous a délégué pour que nous la représentons. Donc je suis là au nom du président Moro Sofiane que je représente. Déjà nous saluons l'initiative parce que la Chambre de métiers fait aussi la promotion de l'artisanat et la promotion du secteur de l'artisanat et de chaque artisan. Donc pour nous, une telle initiative ne peut être qu'accompagnée par la Chambre de métiers. C'est pour ça que nous saluons tous les acteurs à divers niveaux et que ces 2 jours de travaux soient vraiment bénéfiques pour tous les plombiers du pays. Et moi, c'est Tamion Antoine, conseiller H-Formation, Parakou Dubou. On parle aussi de la gestion des ressources. On a abordé la gestion des ressources matérielles, la gestion des ressources humaines. La gestion des ressources financières aussi ont été abordées. Pourquoi pas la gestion du temps aussi, avec des partages d'expérience, d'accord, avec tous les participants qui ont eu à partager avec leurs collègues et avec le communicateur les différentes expériences qu'ils ont vécues. Il y a une étude du cas que nous avons traité ensemble avec les participations. La séance de communication a été interactive. Chaque participant partageait ses expériences et posait ses questions de compréhension et faisait ses apports aussi. J'ai vu que les membres de l'association étaient vraiment, les participants étaient vraiment actifs, étaient attentifs lors du truc et je tire un coup de chapeau à la fédération en général et particulièrement au comité d'organisation de ce congrès que je trouve très 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 bien, une bonne initiative pour pouvoir professionnaliser. Nous avons eu des batailles d'expérience jusqu'à avoir des plombiers qui ont pu déjà identifier des applications pour détecter les zones d'humidité dans les installations de plomberie,
qui ont partagé ces applications avec leurs collègues qui pourront l'utiliser aussi pour être précises dans leur diagnostic et dans leur intervention désormais auprès de leurs clients.